Devinez qui a encore oublié de descendre son micro? Yes, c'est moi. Alors, la musique, là aussi, voilà. Bon, bah, c'est bon, ça arrive à tout le monde, hein. C'est un peu le running gag du truc. Donc, je disais, salut à tous les fans de Vitesse. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans toutes les jambes. Vous avez vu que j'ai passé le cap des 2000 sans vous. J'avoue, c'était un peu connard de ma part. Mais il y avait le nouveau patch. J'avais envie de tester. Ce que ça changeait, et aussi j'avais envie de faire quelques games sans la pression de perdre mon elo. Maintenant que je suis haut, j'avoue, je fais un peu le couard. Ça, Dracula, je déteste vraiment, donc je pense que je vais prendre Mrs. Claus, même si c'est faible. Mais ça, Drac, vraiment, je déteste ce personnage. Je sais que ça a ses forces, hein, mais vraiment le build Slay, je ne le maîtrise pas du tout. Et j'ai pas envie de le maîtriser en fait, ça me fait chier. Je préfère juste rager quand mes adversaires l'ont et pas moi, tu vois. Donc voilà, Mrs. Claus du coup. Bon, sinon ça va vous, la fête? Ah, bah moi aussi, Timothée. Bah figure-toi, ouais, pas plus tard que. Bref. Un petit poulet, hein, ça permet de rester open à une paire potentiellement au prochain tour ou quoi. En plus, il n'y a aucun personnage good. Il y avait une considération pour ce dragon, c'est vrai que. En early, j'aurais pu considérer le dragon, surtout si jamais il y avait un pup. Dans le lobby, mais il n'y a pas de pup. Après, j'avoue, j'ai pris le poulet avant de regarder, donc c'est un peu vous pipoter que de dire que je l'aurais pris s'il y avait eu un pup, hein. Ok. Oh, quel spell de merde. Quel spell de merde. Est-ce que. Ouais, je préfère, ouais, une princesse, ouais. Bon, bah, je prends la princesse. Mais j'ai pas envie de la transformer en evil parce que sinon elle perd le bonus de Mrs. Claus. Donc on va juste roll. Ah, ça m'intéresse peut-être. Une autre princesse. Et il y a un sort, mais le sort il me sert à rien. Est-ce que je prends deux pour le plaisir de prendre deux et de roll? Non, il y avait un prince! J'espère que j'ai lock. Je crois pas que j'ai lock. Par contre, lui, j'aime pas trop ce qu'il présente comme gameplay, ça ressemble beaucoup à mon. C'est honteux. Là, par contre, la paire de dwarfs. Peut-être, hein. Est-ce que juste je décanille de good et tant pis et j'essaye de partir dwarf? Je pense, hein. Parce que elle va faire un trésor bientôt, donc le crafty il est bien. Vas-y, vas-y. Très bien. Et ça on lock. Tant pis, hein. Des fois il faut savoir ne pas. Surtout que bon bah j'ai niqué mon play où je voulais lock pour les princes et princesses. Donc on trouve les pivots qu'on peut. Là, idéalement, j'ai un. Oh putain, Loki il va me casser la gueule. Oh putain, Loki va me casser la gueule. Le 1. Hop. La 4, la 2, 4 dans ça. Oh, ça se passe bien. Oh, ça se passe bien. Oh, le taille contre Loki qui a eu Shrink Spell. On est. Mais. Ok. Le jeu m'écoute. Donc, déjà, on prend ça. Ensuite, on prend ça. On regarde ce qui se passe. Ok. Dommage parce que là il n'y a rien que je veux. J'ai envie de stacker les trésors en fait, moi, pour ça. Mais bon, quand même, ça m'a l'air fort ça. Hop. Ça ici. Maintenant, avec mes deux sous, qu'est-ce qu'on fait? On peut vendre ça pour acheter ça. C'est un peu greedy. On peut juste acheter ça. Ou alors, si on part nain, on va peut-être prendre Lucky. Faire un truc genre comme ça.
Ouais, un 6-6 et un 7-6, c'est peut-être mieux. Quoique, lui, j'ai vu que j'ai envie qu'il meure. Peut-être le supporter qu'une seule fois. Ok, ça se goupille. Et du coup, il est mort. Cool. Cool. Cool, cool, cool. En plus, la bête upgraded reste, donc je lui fais plus mal. Blind Mouse gratuite, on prend. Là, il y a. Il y a de la considération quand même. Hein. Un Prince Arthur maintenant et une Juliette maintenant. C'est assez tôt, c'est beaucoup de stats. Donc je pense qu'on va rentrer dans ce business. Et qu'on va peut-être abandonner les nains. Gentiment. On va garder la paire quand même. Ou pas. Non, je pense que là, Lucky, il est assez intéressant parce que je suis niveau 4, donc je veux acheter des personnages niveau 4 le plus possible. Mais j'aurai que 7 sous, quoi. Donc voilà. En plus, je pense que c'est bien de commencer à choper des personnages de plus haut niveau. Maintenant qu'on a Runestone, on aimerait bien avoir au moins un trésor de niveau 5 grâce à ça, donc en upgradant un 4. Et ouais, là, Juliette, elle fait énormément de stats. Bon, ça, par contre, j'aime pas trop beaucoup ça. Bon. Au moins, ça devrait gagner... Ah non. Bon, pas gagne, mais taille et un sou, je prends. Sachant que j'ai deux tics de niveau. Ok. Bah, c'est parti, c'est Princess Time. Ça je vais prendre juste parce que c'est un 7-7 quoi. Et qu'on a envie de rester fort sur le board. Là avec 2 sous il n'y a rien qui m'inspire à acheter. Donc je vais utiliser le sort. Claquer mon roll. J'aurais peut-être pas dû... claquer le spell pour 1. Comme ça j'aurais eu 4 balles. J'aurais pu tout vendre et ça... Parce que là, est-ce que j'ai envie de lock pour la Good Mother? Pas trop, hein. Pas trop. Enfin, je veux dire, c'est fort, mais ça va, j'ai des stats, là. Là, la plupart des autres sont niveau 3. Je pense que ça, c'est un board qui a assez de stats. Donc, j'ai pas besoin de Good Mother. Je pense. Après, bon, c'est vrai que c'est vraiment beaucoup mieux que ce vieux 4-4, mais ça veut dire que j'ai un rôle en moins, et ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas avoir un rôle en moins. Hop. Ah, c'est pour... ah putain, lui, il est niveau 4 et un tic, ça a bien marché, ça. Son aventurière. Mais bon. Bon. Le poulet, on prend. On est contre le mec mort, donc là on peut faire tous les trucs greedy du monde. Ça m'a l'air pas mal. Pas vous mentir. Ça, j'y crois. Ok. Là, la question qui se pose, c'est est-ce que je prends ce Grim Soul? Je peux me le permettre. Pff, ça me fait chier de têche mon poulet alors que je vais passer au 5. Mais après, Grimsoul, alors que je passe au 5, ça m'ouvre des portes quand même. Donc je pense que je vais prendre le Grimsoul. Ça m'ouvre des portes si jamais il y a un Lancelot qui arrive ou quoi. Là, je suis assez tôt dans le... Je suis assez tôt dans le business pour qu'un Lancelot, ça me botte pas mal. Donc on va le prendre. De manière là, on est probablement contre un AFK, non? Ah non, il y a Zucker. Ouais, je sais pas. Il a joué lui ou dès le début il était ghost, j'ai pas vu. Parce que si jamais il est mort, enfin vraiment il a dû se faire tartiner. Je comprends pas comment il s'est débrouillé avec Kersley. Ouais, non, voilà, ok, ouais, il était AFK du début à la fin. C'est comme ça, ouais.
Sur le puff puff pour un niveau 5 aléatoire. Vu que de toute manière il rentre pas de ouf dans la compo. Bon. Un peu triste, mais ok. Voilà, pour faire elle sort d'XP. Ouais, bah lui là. Un truc comme ça peut-être. Parce que je pense que à l'état de la partie où. Ouais, je peux me fendre d'une petite paire. Ah, j'aurais peut-être pas dû prendre la paire parce que maintenant que j'ai Runestone, j'ai vraiment. Enfin, j'ai pas très envie d'un trésor niveau 4, quoi. J'ai envie d'un trésor niveau 6. C'est pour ça que d'un côté, je suis pas trop deg d'avoir une Nian. Parce que si j'en touche un deuxième, j'ai un trésor niveau 6. Donc ça, c'est plutôt caviar. Plutôt faire comme ça, que le général buff ne fera plus mal. C'est vrai que là, bon, Arthur commence un peu à sentir du boudin. Donc peut-être me sortir de ce bourbier avec des monstres. Ça peut être le pivot. À voir comment ça se goupille. Lui il est niveau 4. J'ai deux persos niveau 5. Bah ça va, hein. C'est pas mal. Oh il a Monkey Po. Oh Monkey Po c'est fort. Monkey Po c'est fort. Aïe aïe aïe, il va me tartiner lui. Aïe aïe, Monkey Po aussitôt c'est vraiment très très fort. Oh The End. Pas dégueu non plus hein. Bah tu sais quoi, on va manger ça. De toute manière on voulait pas le faire et ça me donne 3 sous. Enfin ça me donne 3 PV. 3 PV c'est très fort aussi. Et qu'est-ce que ça c'est mort hein, faut que ça dégage. J'ai une Grim Soul, alors peut-être que j'ai envie de prendre ça, mais ça c'est vraiment naze hein. Ah bon, en attendant je pense que ça c'est mieux. Ça booste ça permet de lui faire des stats, c'est pas mal. Non, je pense pas que je vais jouer la paire d'archère. Je suis niveau 6 au prochain tour. Donc j'ai plutôt envie de pas prendre des personnages qui coûtent 2 quoi. J'espère que lui va faire le travail parce qu'il m'a coûté 5 balles quand même. Et pour l'instant, après le mec qui est en face avait Monkey Po, donc forcément c'est moins fort. Mais ça, j'espère que ça va faire le travail. Oh non, fumier! Fumier! Putain! Et il a plein de bêtes range d'en plus. Oh non! Oh non. Bon, après, on est niveau 6. Oh, popette. Très bien ça. Très très bien. Très très bien. Plus de personnages niveau 1 et niveau 2 et 3. On va pouvoir avoir des vrais shops. Voilà, ça c'est des vrais shops. Oh, j'ai envie de... On va commencer par ça, je pense. Monkey Po, très bien. Un, deux et trois. Je sais pas compter. Je pensais que je pouvais acheter ça du coup. Une Juliette qui part. Ouais, hein. Truc comme ça. Avec mon Kipo, on a envie de partir pumpkin, tout ça.
On va voir comment ça se goupille cette histoire. Avec ça, on peut aussi partir Jormungand, ou je sais pas trop comment on dit déjà. Ok, ça c'est un hit, ça. Ça c'est un hit aussi. Ça c'est pas dégueu non plus. Voilà, dégage. Et tire-toi, mon gars. Bah ça c'est oui monsieur ça. Dracula Saber ou End of Midas. End of Midas, quand même, ça fait que le prochain truc que je baille, il est. Et j'ai assez de rôle. Je peux roll pour des niveaux 6. Ouais, vas-y. J'ai un roll pour un niveau 6. Je prends le premier niveau 6 que je vois. Hein. Ouais, Oni King, hein. Moi, je suis obligé de jouer down au minion. C'est un peu triste, mais. Et on va prendre la Echo Wood aussi. Pour que quand mes bêtes attaquent, elles gagnent de l'attaque elles aussi. C'est vrai que, bon, j'aurais préféré une petite pumpkin. Mais bon, tranquille. Tranquille. Oh, top 4 déjà! Ok. Ah non, il y a encore lui qui est niveau 5. Donc tout le monde a eu de l'XP là-dedans. Ah! Un collègue! Je crois que moi je. Ah, quoique ça, quand même, c'est fort. Hein. Bon, après, heureusement, il a pas encore le. Le Bierstein. Mais quand même, c'est fort. Hop là. Ouais, hein, ça m'a l'air mieux que un potentiel. Quoi que ce soit. Comme ça. Une sirène. Est-ce que ça mérite que je lock une sirène? Ça me plaît. Mais je crois pas que ça mérite que je lock. C'est vrai que ça, c'est un monstre, hein. +20/+20 quand même, hein, quand ça, si jamais ça attaque. +20/+20 qui en plus va là. Alors il y a pas de scaling, mais tranquille. Voilà, il me faudrait des petits cochons là, mais lui il en a déjà deux. Et il me faudrait bah, des pumpkins. Voilà. Et il faudrait que je remplace ça, parce que même si c'est un monstre. Il est un peu sad comme moi. Oh non, fumier, fumier. Oh non, fumier. Fumier, en plus il chope son trésor niveau 7. Non, oh là là, ça c'est si mal mis. Ok, ça je prends. Ça, je prends très fort aussi. Xeloua! Parfait. Contre Wonder Waddle, ça, c'est peut-être plus fort. Ah! Une pumpkin! Donc, hop, hop. Hop. Et un, deux, trois, comme ça. Comme ça, je crois que j'aime bien.
En vrai, je pourrais lock. Enfin, si j'avais eu trois petits pigs, je pense que j'aurais lock ce shop pour pouvoir transformer ce Bierstein en Bierstein Evil. Et comme ça, avec mon Kipo sur les respawns des trois petits cochons, ça aurait fait des grosses grosses blagues. Mais vu que j'ai pas encore les trois petits cochons, dépenser 11 balles pour un truc que je suis pas sûr de voir un jour, ça me fait un peu chier la bite, on va pas se mentir. Non, putain, pas comme ça, Michel. Oh, en plus, il chope un truc de ouf. Mais c'est bon! Bah, ça suffit. Là, les gars, ça suffit. De Jörmungand. C'est non, putain. Ah non, du coup, en plus, il va manger mon Oni King. Ok! Et non. Parce que. C'est des 10-10. Aïe, aïe, tout le monde a les trois petits cochons sauf moi. Hein. On en est là, messieurs, dames. On en est là. Bon, lui, il a plus le panache d'antan. Ça, là, ça se réfléchissait tout à l'heure, déjà. Est-ce que ça se réfléchit encore maintenant? C'est pas un monstre en fait, c'est ça qui me gêne. Et du coup, il prend pas plus 20, plus 20. Et du coup, mon Ecowood, elle est naze. En fait, peut-être c'est juste ça que je dois virer pour un autre monstre. Ok. Les trésors niveau 6. Hop, comme ça on maximise les chances de scammer. Et bon, c'est vrai que la Echo Wood, je l'ai prise, mais je crois que du coup elle a plus trop sa place dans le délire du machin, du truc. Ah, mais lui aussi, les trois Little Pig là. Oh non, mais. Oh. Mais non, mais. Ah, c'est horrible ce qui se passe. Je vais perdre contre le fantôme. Je le sens. Gros comme une maison que je vais perdre contre le fantôme. Ok, non, ça va. C'est vrai que bon, quand même, sur les respawns, il y a pas mal de monstres. Donc peut-être que l'Echo Wood, elle vaut le coup, mais... Pas pour l'instant, je pense. Alors là, Horde Dragon, avec son trésor niveau 7, il me fait... peur... au max. Bah là, je pense que je vais choper le spell en fait, tout simplement. Fait chier de vendre l'Echo Wood là, mais bon. Ouais, hein. Ça me fait chier de me cuck mes chances de trésor niveau 6 parce que bah du coup elle, je pourrais pas la tripler pour avoir un trésor niveau 6 et j'ai vendu l'Echo Wood. Donc elle aussi, je pourrais pas la tripler pour un trésor niveau 6. Donc ça, c'est la partie relou du bail. Grumble Gore, quand même, ça m'intéresse. Mais au prix de quoi? Parce que ça et ça, c'est un package que j'aime bien. C'est vrai qu'à part ça, ça fait peut-être comme ça d'ailleurs. Parce que ça scamme bien. Mais ça quand même, plus 20 d'attaque en range, ça peut être assez dévastateur. Hein. On va voir comment ça se goupille. Ok, j'aurais préféré que ça... Ok, enfin, les arbres qui font des trucs. Par contre, il a deux Arthur, c'est naze de ouf. Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? C'est beaucoup trop tard pour rentrer dans ce genre de bail, mon gars. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, moi, je vais pas me plaindre, hein, mais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ok, bah dégage, voilà.
Je comprends pas, il a piqué Excalibur et il a pris deux Arthur ou il les avait déjà, je me souviens plus, mais. Dans tous les cas, j'ai l'impression que c'était nul. Bon, ça coûte que 3 vu que j'ai Xeloa, donc vas-y. Que des. Non plus. Ah! Ça oui. Mais je le rentre comme ça, nature peinture. Ouais, tant pis pour le trésor niveau 6, hein. Peut-être à la place d'une pumpkin. Oh, j'ai int. J'ai tellement int la fin. J'espère que ça va quand même pas trop mal se goupiller. Mais j'ai peur. Hein. J'ai peur, je vais pas vous mentir. Ah, j'ai vraiment int la fin de ma game là. Oh, en plus, ça part pas. Il n'y a rien qui touche, c'est ouf. Hop. Hop. Allez, le 60. Oh, le taille! Le taille, on prend parce que. Moi, j'ai de la marge de manœuvre quand même. Voilà, genre ça, c'est ce que j'appelle de la marge de manœuvre. Mimique. Ouais, Dracula Saber, il a beaucoup de respawn. Hein. Mais Mimique, ça fait plus 12 flat à tout le monde. Est-ce que ça, je pense que ça fera mieux que plus 6 à tout le monde? Oui, je pense que ça fera mieux que plus 6 à tout le monde. Ok. Donc, on est reparti. Ok, oui monsieur. Non. Ok. Faut juste pas mourir. Là, si on meurt pas, franchement, je nous trouve assez dans du vrai truc. Après, c'est vrai que là, la Méduse backline, elle a fait le taf. Et je pense qu'une pumpkin, ça peut faire spawn des méduses, de fait. C'est probablement mieux. Ou des Applebaum. Ah, la Méduse qui a pas attaqué, ça, c'est un peu sad. Le fait que ces machins, ils meurent pas. Vas-y, mais meurs! Du coup, je crois pas que Dracula Saber aura fait plus que plus 6. Quoique, peut-être. Non, pas lui! Aïe, aïe, aïe. Il a 500 d'attaque. Il a 2 Birkstein Goldé maintenant. Ah ouais. Ah, peut-être sur ça, là. Il peut y avoir des trucs. Ils ont 2 et 1 PV quoi. Non, pas lui. Ah là, c'est 2 Birstein dorés. C'était très dur. Hein. Plus Magic Sword et tout. Enfin, c'était. Je pense qu'on a fait au mieux. Il y avait... Peut-être que la Méduse devait aller là et espérer toucher. Enfin, après aussi, on n'a pas touché la Méduse. Parce que je pense que Mimic. Aurait rien changé, enfin je veux dire, le mec il fait des 500-500, donc c'est pas plus 6 qui va changer grand chose. J'avais quoi? J'avais Mimique.
Ah oui, j'avais l'épée, ouais, bah encore moins bien. L'épée, elle fait plus 5 de défense devant et plus 5 d'attaque derrière. Ouais, non, mais j'ai été aussi très peu chanceux sur cet arbre tout au long de la game. Il a pas trop tué des trucs, quoi. Il a souvent attaqué. Ce qui est un peu cringe. Donc voilà. Bref. Bah bisous les fans de vitesse, et là c'est qu'un top 2, mais c'était pas trop mal comme game, on a bien speedrun le niveau 6 et tout. Je pense que j'ai peut-être un peu trop tunnel vision sur la compo Pumpkin et mon Kipo. Avec la rapidité avec laquelle je suis arrivé au 6, je pense que j'aurais pu me permettre de rester un peu plus ouvert. Et donc... Parce que ouais, aussi le End of Midas Oni King, ça m'a donné un gros boost de pouvoir, mais là c'est le Oni King à la fin il faisait rien, mais que chi nada. Donc voilà, c'était un peu sad. Je sais pas trop ce que j'aurais pu faire de mieux. Peut-être que la End of Midas était trop greedy, j'aurais dû prendre juste un trésor à 5 normal. Je sais pas. Bref. Bisous.